Bonjour, bonjour. J'ai décidé de m'attaquer au jardin cette semaine. Je sais, vous allez tous rire. Bande de corneaux que vous êtes, je vais vous étonner. Alors, c'est le bordel de partout. C'est joli, ça fait la savane. Mais comme au mois de septembre, je vais accueillir un nouveau chien, il va peut-être falloir que je commence à faire un peu le ménage là-dedans. Pour pas qu'il se blesse. Et on s'est tellement laissé envahir par toutes ces merdes qu'on n'a plus du tout de soleil qui rentre. Là, les cyprès, la forêt, elle est dégagée. Voilà, ils sont complètement nazes. Ça fait chier tout le monde, ça va se casser chez la voisine, un de ces quatre. C'est pas de la T5, ça, c'est de la grosse merde. Donc, je ne sais pas comment faire ça. Laurent, il faudra que tu passes à la maison, il y a peut-être du boulot pour toi. Voilà, là on rentre. Toutes ces merdes, il faut que ça dégage. Là aussi, là-dedans. Là aussi, ça, c'est la merde. Ça, faut que ça dégage aussi. Merde, je me prends ta gueule. Ce truc là, faut le dégager, ça nous fait chier à mort, ça envahit tout. La vigne, il faudra la dégager, c'est pas le peu qui reste. Je veux couper ces trucs là, mais bon, c'est assez costaud et à mon avis, il faut une tronçon au moins minimum, voire du C4 ou de la TNT. Il y a même là avec cette merde, le soleil il passe pas derrière le soleil. D'habitude on l'avait le soleil, on l'avait tout là. On foutait les serviettes de la piscine pour sécher là. Maintenant c'est le souk, on voit plus rien. Là le hier, Mumu veut qu'on le laisse. À mon avis ça va dégager quand même un peu. Donc, on a jusqu'à là-bas le portail. Voilà, jusqu'à là-bas, à gauche et à droite. Ça aussi, là, cette merde, il faut le dégager. On va trouver des nids de serpents là-dedans. Tout à l'heure, j'y étais, j'en ai pas vu, mais bon. Ça, c'est saloperie, ça pique les yeux des clébards. Le petit chien, il va s'éborgner là-dedans. Il faut que je dégage. C'est un souk incroyable, ça pousse de tous les côtés, on dirait un pied d'éléphant le machin. Merde, ça on va peut-être le laisser quand même. On va pas déterrer le truc, ça va faire un trou énorme. Toujours ces putains de cyprès qu'il faut dégager. Le truc là, le bananier express là, le dattier, le je sais pas quoi, le palmier. Faut gicler les feuilles qui sont nazes. Et là, là-dedans, pareil, faut foutre le... Voilà, ce qui nous bloque le soleil, c'est ces trucs-là. Toute cette merde, il faut arracher ce putain de truc. Voilà, donc il y a du taf. Alors déjà, cette semaine, je vais éclaircir le mieux que je peux, moi, tout seul. Et puis après, ben, je laisserai les copains faire. Barbecue, pinard, ou... des trucs comme ça, quoi. C'est le laisser envahir, putain. Et ce matin, j'en ai déjà fait un peu. Ça grouille là-dedans, je sais pas ce qu'il y a, des crapauds, des rats, des serpents. Faut que je gicle ce truc là, cette merde là, faut que j'enlève. Ça part en dessous là, là-dedans, là il y a un genre de pot, tout part de là-dedans. Je gicle tout ça.
Bon, voilà. Allez, je suis d'aigle quand je vois tout ce qu'il y a à faire. À plus dans le bus.